les pauvres. On est né pour attendre la mort. Les pauvres ne vivent pas leur vie à genoux. On se doit de mourir debout, pas à genoux, tu sais pas. La conférence de Paris a maintenant adopté un traité injuste. Le contenu de ce traité a transféré tous les droits et intérêts de l'Allemagne en Chine. L'Allemagne vaincue, au Japon en totalité. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce pays? Tu trouves pas que ce pays est ridicule, enfin? Face à une crise nationale, il faut agir à tout prix et renoncer à son intérêt pour le bien de tous. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Rendez-nous Chinao! À bas les traîtres! Rendez-nous Chinao! À bas les traîtres! Rendez-nous Chinao! À bas les traîtres! Le problème du Shandong n'est pas seulement critique pour la survie d'une province ou réservé au cercle des universitaires. Je suis prêt à me battre pour ça. Et comment veux-tu te battre? Je suis prêt à dévouer ma vie à la nation. Étudiants, commerçants, ouvriers, soldats, tous doivent résister à cet humiliant traité de paix. Ce traité ne peut pas être signé. S'il le signe, il sera un pécheur impardonnable de la nation chinoise pour toujours. Est-ce encore la République pour laquelle nous nous battons depuis toujours? Est-ce bien la République pour laquelle Xu Xilin et Zhou Jin sont devenus des martyrs, d'après toi? C'est le moment de jeter de l'huile sur le feu. C'est ce que nous devons faire. C'est notre rôle à tous. L'enthousiasme patriotique des étudiants s'est embrasé. Et pour le sauver, nous n'avons qu'une seule voie devant nous. La révolution. Lutter. Nous devons lutter jusqu'au bout. La Chine appartient au peuple chinois. Vous êtes chinois aussi. Nous sommes descendus dans la rue pour la Chine. Quel est le problème? Vous n'avez pas le droit de mourir maintenant. Notre pays est en proie à une terrible catastrophe. Il a besoin que vous viviez. Il a besoin que vous luttiez. Nous devons trouver une solution. Trouver une solution. Ça ne sert à rien de s'énerver. Mais je pense que vous n'oserez pas le tuer. Car si vous tuez une personne, 50 ou 100 autres apparaîtront. Messieurs, en cette heure, nous ne pouvons plus nous soucier de notre réputation personnelle. Notre pays est à un point de non-retour et nous faut nous battre avec tout ce que nous avons. On est prêts à se sacrifier pour le pays. Et nous ne reculerons pas. Devant les risques, cette action ne doit pas seulement faire participer les étudiants. Les travailleurs, les commerçants et les soldats, tous les civils doivent agir. Toute la société doit se mobiliser. C'est l'action des gens ordinaires. C'est la seule façon de forcer le gouvernement réactionnaire à ses... Mais pourquoi veux-tu fonder ce parti? Pas pourquoi. Mais pour qui? Vivre comme des hommes, pour qu'ils puissent bénéficier des droits, de la joie et de la dignité.